Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Et aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel, le pouvoir des archanges. Alors, les archanges sont des anges supérieurs, n'est-ce pas, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nombre varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux, n'est-ce pas, et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, eh bien, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque, eh bien, veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Donc les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent. Pour le Verseau, c'est l'archange Uriel, la lumière de Dieu. L'archange Uriel est associé au signe du Verseau et on le nomme aussi l'ange de l'intellect. Il nous offre créativité, clairvoyance et révélation. Il est généralement considéré comme l'un des 4 archanges majeurs et représente l'un des points cardinaux du ciel. La couleur qui lui est associée, eh bien, c'est le rouge. Uriel est un archange qui possède un grand savoir. Toutes ses connaissances lui permettent d'aider les personnes à prendre des décisions éclairées. Ce bel archange est en effet un puissant allié pour vous aider à comprendre les situations de la vie qui vous pèsent et sèment le doute en vous. Si vous êtes à la recherche d'une solution ou d'une aide afin de prendre une décision, eh bien n'hésitez pas à invoquer l'archange Uriel. Les vertus de l'archange Uriel peuvent être invoqué pour diverses raisons. En premier lieu, on peut demander son aide pour qu'il nous apporte sa sagesse et pour être guidé dans des moments difficiles. Directement en contact avec la puissance divine, eh bien, il peut transmettre son amour lorsqu'on en ressent le besoin. Vous pouvez aussi faire appel à ce bel archange Uriel lorsque vous souhaitez trouver la force d'être plus altruiste et compatissant. C'est un archange très recherché pour régler des conflits et gérer la colère.
de manière plus subtile, il peut aussi nous fournir des intuitions et des idées savantes que nous n'aurions pas eues habituellement. Traditionnellement, Uriel est l'ange qui apporte aux êtres humains les lumières de la connaissance du Créateur. Lorsqu'on doute de sa foi, que l'on se pose des questions sur la spiritualité ou que l'on cherche à atteindre un éveil spirituel, il est d'usage de se tourner et d'invoquer l'archange Uriel afin qu'il nous guide. Plus largement, chaque fois que nous traverserons une période de doute et d'incertitude, nous pouvons demander son aide à ce bel archange Uriel. Ses lumières nous éclaireront, nous serons alors plus à même de comprendre les événements, de prendre du recul sur une situation ou d'aborder un problème sous un angle différent. Uriel ne nous débarrassera pas de ce qui nous gêne, mais il nous libérera de nos doutes, nous donnera l'inspiration de la créativité afin d'avoir de nouvelles idées. Du fait de son appartenance au cercle fermé des sept archanges, Uriel tient une place particulière au paradis céleste. Il incarne notamment un certain nombre de vertus, comme la prospérité, l'abondance et la richesse divine. Il représente la liaison entre le monde terrestre et céleste, la connexion avec la présence divine. La force divine est la toute-puissance de l'esprit de vie. Il s'agit notamment de l'énergie vitale circulant dans tout être vivant. La paix, l'harmonie et la prospérité du royaume des cieux et du monde terrestre représentent également la richesse de la création divine et de l'abondance qu'elle recèle. Nommé saint patron des sciences et de ceux qui cherchent à combattre l'ignorance, l'archange Uriel cherche principalement à éveiller l'esprit et les capacités intellectuelles. Il se sert ainsi de sa flamme, de la vérité, pour aider particulièrement les professions poursuivant ce but. Il protège ainsi les philosophes, les enseignants, les chefs spirituels, c'est-à-dire ça peut être les prêtres, les rabbins, l'imam. Alors pour quelle raison solliciter l'archange Uriel? Eh bien, il est doté de plusieurs vertus qu'il partage volontiers avec ceux qui le sollicitent. La flamme divine qu'il détient l'aide à intervenir dans certains cas bien spécifiques. Il aide notamment à libérer du stress et de l'anxiété. Il délivre, pour délivrer de la colère et de la haine, pour calmer l'impatience aussi, pour trouver le chemin de la santé et du bien-être, pour surmonter les épreuves difficiles, pour encourager la créativité, pour trouver la paix intérieure, pour agir avec confiance, pour atteindre l'abondance et la prospérité financière. Ce bel archange Uriel peut également contribuer à mener à bien vos projets en renforçant notamment l'intention et le désir d'action. Il vous aidera autant à clarifier vos idées de sa lumière divine qu'à les matérialiser. En tant que archange érudit, illuminé par la lumière sacrée, n'est-ce pas, Uriel décodera avec vous les tenants et aboutissants d'une situation complexe afin de mieux la résoudre. La compréhension qu'il vous aide à percevoir élimine les émotions négatives et autres pensées parasites pouvant nuire à la prise de bonnes décisions. Également impliqué dans la protection de la création terrestre, ce bel archange Uriel peut être invoqué afin d'accélérer la régénération des dégâts produits par les catastrophes naturelles, par exemple.
La pierre qui lui est associée est le cristal d'ambre. Prière à ce bel archange Uriel. Saint Uriel, archange, communique-moi la chaleur de ta couronne de feu. Fais disparaître mes blocages émotionnels, mentaux et spirituels. Viens à mon secours, je te prie, avec tes légions célestes, et apprends-moi à agir comme Jésus lorsqu'il était sur terre parmi les hommes. Aide-moi, aide-moi à suivre ma destinée, à être en harmonie et à rayonner sur mon chemin de vie. Car je souhaite la paix intérieure en chacun de nous et je t'en remercie d'intercéder pour que cette grâce s'accomplisse. Je te demande de m'entourer et de me purifier de ta flamme ardente, de me remplir de grâce, de paix et d'un bel avenir. Donne-moi la force de trouver une solution à ce problème qui envahit mon esprit et me détourne de mes fonctions. Donne-moi un peu de votre sagesse divine pour donner un sens à mes actions et à ceux qui m'entourent de la même manière. Donnez-moi le don de votre vision pour trouver une alternative à mes problèmes. Je vous demande, archange Uriel, de nourrir mon environnement de sagesse, de paix et de prospérité divine. Accompagnez-moi toujours, Uriel. Je vous remercie avec toute ma gratitude. Merci de votre écoute. À tout bientôt.